La Torah nous raconte que quand Yaakov a dû quitter la maison de ses parents suite au fait que Esav a juré qu'il va le tuer puisque d'après lui, il lui a volé ses bénédictions, Yitzhak lui conseille, va chez ton oncle, le frère de ta mère, chez Lavan, et va te marier. Eh bien, Yitzhak, je m'excuse, Yaakov, il quitte. Vayete Yaakov me Beersheba, vayele Harana. Yitzhak, Yaakov, je m'excuse encore, Yaakov, il sort de Beersheba, donc l'endroit natal, l'endroit de son père, la maison de ses parents, et il va vers Haran. Et la Torah nous raconte qu'en chemin, tombé de nuit, dans le désert, avant d'aller dormir, il se fait une clôture autour de sa tête. Comme il dit, Vayikach ma'avne amakom vayasem irachotav. Il prit quelques de ses pierres et les met autour de sa tête. Rashi nous explique la raison simple pour se protéger des dangers du désert, des animaux sauvages, des serpents, scorpions, ainsi de suite. Il a besoin d'une protection. Mais mes chers amis, réfléchissons un peu ici. Quelle protection? S'il a peur qu'il va se faire attaquer par un animal sauvage, est-ce que le fait que sa tête va être encerclée par des pierres va le sauver, mais peut l'attaquer par le reste du corps? Est-ce que si le lion viendra lui chatouiller les orteils, ce sera agréable? Quelle protection? Si déjà se protéger, alors construis toute une barrière, toute une muraille autour de tout ton corps, pas juste la tête, la partie supérieure de ton corps. Donc il doit y avoir ici un message bien plus profond que tout simplement cette protection extérieure. Yaakov, le père des 12 tribus. Yaakov nous envoie un message. Quand tu quittes la maison de Yitzhak, l'endroit de pureté, l'endroit de sainteté, l'endroit de bénédiction, l'endroit de vérité, l'endroit de Torah et Mitzvot, l'endroit parfait, l'endroit où la divinité est présente continuellement. Et tu vas vers où? Vers Haran. Pour faire quoi? Pour te marier. Donc, pour t'impliquer dans la vie matérielle. Fonder une famille, ça demande un gagne-pain. Donc, il va devoir maintenant s'occuper non seulement de l'étude qu'il a fait jusqu'à présent dans la maison, chez ses parents et ensuite à la yeshiva de Shem Ve'ever, mais maintenant il va sortir dans le monde à large, comme on dit. Yaakov, il a peur. Il réfléchit comment est-ce que je peux me protéger des dangers que ce monde matériel peut me poser. Comment je vais faire face aux défis qui est lancé continuellement dans ce monde matériel, particulièrement à Haran. Haran représente quoi, nous, Rashi? Haronaf shel haolam, l'endroit de la colère du monde, l'endroit du mensonge, l'endroit du vol, l'endroit de l'impureté, l'endroit de l'immoralité. Comment est-ce que moi je vais me protéger pour fonder une famille qui soit pas influencée par Haran, mais plutôt là où je pourrais garder mes valeurs que j'ai apprises de chez mes parents, dans la maison de mes parents, d'Yitzhak et Rivka, et avant ça d'Abraham et Sarah? Quelle est la protection que je peux me faire pour me garantir de pouvoir vivre même dans ce monde de Haran, mais de pouvoir vivre comme Be'er Sheva, comme Yitzhak m'a enseigné? Eh bien, pour cela, Yaakov, il se fait une barrière autour de sa tête pour dire la chose suivante. Effectivement, mais ben, c'est à Pechatoch Alechem. Avec la sueur, je vais devoir travailler. Avec mes mains, je vais travailler. Mon gain-pain va être avec mes mains, mais ma tête, mes qualités supérieures, ça, je garde pour les valeurs plus importantes. Un chassid, grand érudit, un jour il s'est lancé dans les affaires et il a ouvert une manufacture de caoutchouc d'hiver. Il a bien réussi.
Il vient chez le Rebbe Rachab et il s'avère que durant la Yichidut, l'audience privée, toute la discussion de sa part était par rapport au succès et l'importance de son affaire. À un certain moment, le Rebbe Rachab lui dit, tu viens de m'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, jusqu'à présent, je savais toujours que dans les chaussures, on met les pieds. Et ensuite, on met cette chaussure avec le pied dans les caoutchoucs. Toi, je vois, tu as mis toute ta tête directement dans les caoutchoucs. Il faut protéger notre tête. Notre tête, notre esprit, il faut le garder pour les choses de valeur de Torah et Mitzvot. Vivant de cette manière, là, on s'assure que non seulement on ne tombe pas dans les pièges du monde matériel, mais au contraire, on élève ce monde matériel. Que même les galoshes, même la boue de l'hiver est élevée dans la spiritualité, dans la divinité. Et c'est de cette manière que nous accueillerons aujourd'hui même Mashiach.